La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe toutes mes collègues députés UMP, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 6 novembre dernier, je vous ai déjà interrogé sur les légitimes revendications des sages-femmes en grève depuis le 16 octobre. Certaines d'entre elles sont présentes dans les tribunes de cet hémicycle et nous leur adressons notre soutien. Je rappelle que celles-ci, dont la mission est essentielle, ont deux revendications. La première, c'est d'être reconnue comme intervenant en premier recours des femmes en bonne santé. La seconde, c'est d'être reconnue comme personnel médical hospitalier. Lundi, 4500 sages-femmes étaient encore en grève et elles ont quitté une réunion au ministère de la Santé, la troisième, car le ministère, écoutant davantage les organisations syndicales comme FO ou la CGT, plutôt que le collectif des sages-femmes, a proposé soit de rester sous le statut actuel, soit de créer un statut bâtard intermédiaire. En résumé, ni praticien hospitalier, ni fonction publique. Ainsi donc, il est demandé aux sages-femmes, écoutez donc, de choisir entre la peste ou le choléra. Monsieur le Premier ministre, les sages-femmes méritent mieux que d'être manipulées et même déconsidérées par une proposition ne reconnaissant pas leur statut médical. L'attitude de Madame la ministre, diviser pour mieux régner, contribue à rabaisser la profession au risque d'entraîner un durcissement du mouvement. Il est plus que temps de mettre fin à ce faux semblant qui consiste à recevoir les sages-femmes avec l'objectif de ne pas bouger les lignes. Il est temps de parler un langage de vérité plutôt que de jouer sur une hypocrisie désormais parfaitement insupportable. Monsieur le Premier ministre, allez-vous recevoir vous-même les sages-femmes, car Madame Touraine ne les écoute pas? Allez-vous recevoir le collectif des sages-femmes, seule entité représentative aux yeux de ces professionnels? Quelle est votre position sur leurs légitimes revendications? Et allez-vous enfin proposer aux sages-femmes un statut plutôt Madame, que le statu quo? La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie. Un peu de mauvaise foi ne nuit pas à l'évidence quand on entend vos propos. Et je tiens à dire que sur les bancs de la majorité, il n'y a pas seulement les députés femmes qui soutiennent les sages-femmes, il y a l'ensemble des députés du groupe socialiste. Et je veux dire ici, comme je l'ai dit aux sages-femmes et à l'ensemble des sages-femmes, lors de mes déplacements dans les hôpitaux comme lorsque je les ai reçus au ministère, la détermination absolue du gouvernement de permettre que les sages-femmes soient mieux reconnues, mieux identifiées dans notre système de santé, qu'il s'agisse de leur place comme professionnelles médicales de premier recours ou qu'il s'agisse de leur statut à l'hôpital. Dans cette perspective, et à l'évidence, Madame la députée, vous êtes mal informée, j'ai fait trois propositions extrêmement concrètes. La première proposition est une reconnaissance à part entière du caractère médical de la profession de sage-femme à l'hôpital. Très concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'organiser une vraie autonomie professionnelle des sages-femmes. Par exemple, je propose de leur confier la responsabilité d'unités physiologiques. Deuxième proposition, une revalorisation salariale, puisque c'est un des enjeux qui est posé. Et puis la troisième proposition porte sur leur statut, avec deux options qui ne sont pas celles que vous avez évoquées. La première, c'est la création d'une filière médicale autonome au sein de la fonction publique hospitalière, filière maïeutique. Et la seconde option, c'est en dehors de la fonction publique, un statut médical de praticien maïeutique. Vous le voyez, Madame la députée, les propositions sont faites. Elles sont faites pour reconnaître à part entière l'autonomie des sages-femmes dans l'intérêt des femmes et de l'ensemble de notre Merci, système de santé. Madame la ministre.